Toujours sur le Bikeman Corsica, il y a des vélos partout, on est au contrôle et on est avec la représentante officielle du Royaume de Belgique. Bonjour Amélie. Bonjour. Hein, parle bien près du micro. Amélie, donc c'est ton premier. Alors déjà ton surnom c'est quoi? C'est B? Comment tu le sens B, on m'a dit? Non, ça c'est les Bruxellois qui disent. Ah, ça c'est les Bruxellois qui disent. C'est pas une bonne idée. Hein. Donc comment vous êtes venus à plusieurs? Vous êtes quatre, hein, quatre amis pour faire pour la première fois un Biking Man, c'est ça? Oui. Après, il y a un de nos amis qui a déjà participé l'année passée à celui du Portugal. Donc lui, il a un peu plus d'expérience. Et donc, il vous a donné quelques tuyaux. Oui, il nous a surtout embarqués dans cette aventure. C'est à cause de lui si on est là aujourd'hui. C'est à cause de lui. Alors, comment on s'entraîne en Belgique, où c'est tout plat? Comment on s'entraîne pour faire un Biking Man? On va dans les Ardennes déjà. Ah oui, c'est un peu... Ça grimpe un peu plus, oui. Ça grimpe un peu plus. Vous entraînez, c'est un sport, on va dire solitaire, mais par équipe. Vous entraînez chacun dans votre coin. Comment vous faites? Ça dépend. Quand on a le temps d'aller rouler après le boulot, c'est chacun pour soi. Sinon, on a aussi prévu des sorties ensemble, des plus longs trajets. Alors comment vous avez travaillé ça? Vous avez regardé un petit peu la carte du parcours. Comment ça se prépare le Corsica? Le Corsica, ça se prépare déjà assez tôt. C'est-à-dire qu'en hiver, d'habitude, on a l'habitude de lever un peu plus le pied. Tandis qu'ici, on a continué à faire des longues sorties déjà en hiver, parce que la course est très tôt dans la saison. Il faut travailler le fond, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut faire du long, pas spécialement du rapide, mais du long, du long, du long. Du long, du long, du long. La Belgique, c'est une des terres de vélo. Ouais. Donc, on est souvent à vélo, mais aussi une terre du cyclisme professionnel. Il y a eu des grands vainqueurs de tours. Belge, et puis il y en a d'autres hein, si vous suivez un petit peu l'actualité du cyclisme professionnel, il y en a d'autres qui arrivent, qui pointent leur nez, hein. Il y en a pas mal des Belges là. Oui, c'est vrai, le Belge a sa place sur les courses cyclistes. Ouais. Vous suivez un petit peu les courses cyclistes? Bon, il y a toutes les courses qu'on appelle les Flandriennes hein, là-bas, mais est-ce que vous suivez un petit peu l'actualité professionnelle quand on est un amateur, déjà un bon amateur? Un minimum, c'est sûr, parce que ça reste notre sport. Après, moi, je fais du vélo plutôt pour le plaisir, pour aller voir des paysages, pour être à l'extérieur et pas spécialement pour le côté compétition. Donc, c'est clair, je m'y intéresse, mais ce n'est pas la première chose que je vais regarder. Non, vous regardez, vous travaillez à vélo, vous? Oui. Vous travaillez à vélo? Je travaille dans un magasin de vélo. Ah, vous travaillez dans un magasin de vélo? Du coup, les vélos, là, ils viennent du magasin, peut-être. Vous les avez préparés spécialement pour le Biking Man Origine? Non, j'attends mon vélo depuis des mois, il n'est jamais arrivé, donc j'ai dû prendre un vélo qui est trop grand pour moi, qu'on a dû adapter avec un bike fitting, mais voilà, ça va le faire, c'est un vélo un peu plus haut de gamme. Mais vous avez travaillé avec, quoi. Vous avez commencé à vous y habituer, les réglages qui vont bien, même s'il est un tout petit peu plus grand. Oui, ça fait... Qu'est-ce que vous faites dans le magasin de vélo? Je suis vendeuse et je fais un peu de montage vélo aussi. Ça se vend bien là-bas les vélos en Belgique? Parce qu'avec toutes les pénuries qu'il y a, est-ce qu'il y a du retard? Comment on fait? Justement, on parlait d'autres vélos qui a mis 2 ans à arriver, qui n'est pas arrivé. Ça se vend bien? Quand on est vendeuse, hein, on passe à autre chose, mais quand on est vendeuse de choses dont il y a une pénurie, il faut... On customise. On customise, il faut embrouiller le client en lui disant que c'est demain, mais demain, peut-être après-demain. Non, on customise, on a pas mal de VTT musculaires qui sont rentrés par exemple, et si on veut en faire un vélo plus polyvalent, on met un guidon simplement plus confortable, une selle plus confortable, on met une potence réglable, et il y a toujours moyen de s'amuser aussi avec ça, si c'est pour le loisir. Il y a toujours moyen. Est-ce que le gravel a bien pris en Belgique? Ouais. Alors pourquoi je demande ça? Parce que un des Biking Man de la saison au Brésil, c'est 40% de pistes et de gravel. Hein. Donc est-ce que ça a bien pris là-bas en Belgique? Ouais. Ça fonctionne très bien parce que le VTT est assez limitant sur les terrains plats. Nous, on a beaucoup de chemins, mais assez plats. Donc en VTT, on n'avance pas, mais en vélo de course, on est limité. Alors, l'objectif que vous êtes donné, là, vous perso, hein, Amélie B, l'objectif que vous êtes donné là, sur ce Biking Man, c'est de terminer dans les 2 jours, dans les 3 jours, dans les 5 jours? Non, terminer, ce serait déjà énorme. Si j'arrive à faire les 200 km par jour, ce serait déjà super.
Après, on verra. Si je peux faire mieux, je le ferai. Si pas, ben, je suis déjà super contente d'avoir pu accéder à cette course, d'avoir pu faire tous les entraînements jusque-là. Et alors, avec les potes, est-ce que vous avez repéré un petit peu les producteurs locaux pour, en gros, est-ce que vous avez des boîtes de sardines dans votre sacoche pour manger les sardines en roulant, ou est-ce que les producteurs locaux, vous avez un peu repéré et vous allez faire un petit peu un tour gastronomique avec ce Bike in Man Origine? Un peu des deux, je crois. On a tous nos package de survie en nourriture, mais après on compte profiter aussi sur le moment, on compte s'arrêter pour bien manger, c'est sûr. Alors vous allez vous arrêter pour bien manger, vous allez vous arrêter aussi pour admirer les paysages, pour faire des photos. Vous n'avez pas oublié l'appareil photo, il y en a un là-dedans dans la bande qui va faire les photos pour tout le monde. Ouais, enfin, parce qu'il faut donner envie aux autres Belges de venir sur un prochain Bike in Man. Bien sûr, mais je représente déjà le magasin sur cette course, donc ils me suivent de très près et toutes les personnes de notre région auront les nouvelles, donc j'espère que ça donnera envie à d'autres. Bon, vous allez aussi leur dire que vous êtes passé en interview avec Radio Cyclo et qu'il faut écouter Radio Cyclo, la seule radio francophone 24 heures sur 24 qui ne parle que de vélo, tous les vélos. Vous me promettez? Oui, ça je le promets. Bon, ça va, de toute manière, avec l'interview et tous les logos que vous avez derrière, vous allez être obligé de leur dire. Vous êtes passé sur Radio Cyclo. Merci Amélie, c'est Amélie. Hein. Oui, j'ai déjà oublié, moi. J'ai retenu B. Bon, merci, en tout cas, je vous souhaite un bon courage sur le Bike in Man. Profitez-en bien, ouvrez bien les yeux, vous allez voir, c'est fantastique. Merci à vous.